Bienvenue sur Wapala, votre mag 100% Water Sports. Au programme cette semaine, focus sur un rider français au sommet de son art, Antoine Del Perro. Mais on part tout de suite à Madagascar pour la suite d'un trip kitesurf magique au pays des Antandroy. Nous vous avions déjà parlé de la fameuse grosse production de la marque F1, le film Antandroy. En effet, le team de la marque française est récemment parti en trip pour les besoins du tournage. La destination, un spot de rêve perdu au fin fond de Madagascar. Cette fois-ci, on vous propose une session de kitesurf dans les vagues, une réalisation parfaite que l'on doit à la maison Bande Originale, qui signe là ce que l'on fait de mieux en termes de film de kitesurf. Après ces images de rêve, focus sur un rider français au sommet de son art, Antoine Del Perro. Living in Marseille and being a surfer is very difficult because you know it's not often that there is a lot of wave, but we used to go sailing with my uncle a lot. I think my passion for the ocean stopped from there. I don't know if my life could have been something different without surfing, but maybe.
loved skating when I used to live in Marseille. When I was skateboarding, I keep riding something, even if it's the ground and not the waves. But the sensation is different because skateboard is a little bit hard, you know. It's not the same. Once I moved to Biarritz and lived for my passion, surfing, when everything started, surfing every day, just enjoying the ocean. And when you have a passion in your life, it's totally different. Vous l'aurez compris, Antoine Delperro est un passionné qui a dédié sa vie au surf et à l'océan. Il s'est spécialisé dans le surf longboard et a suivi le circuit pro mondial pendant plusieurs années. Et en 2009, il touche du doigt le Graal en remportant le championnat du monde de la discipline. À 28 ans, Delperro est un waterman complet, aussi à l'aise en long qu'en shortboard. Il s'est mis au stand-up paddle depuis quelques années et fait partie de l'élite mondiale de cette jeune discipline. Il a d'ailleurs lancé sa propre marque de stand-up avec l'aide d'un shaper français, un moyen de préparer sa reconversion tout en continuant à surfer. Sur ces belles images, à plus et à la semaine prochaine.